Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voici, je remercie l'Éternel car il est bon. Je loue son nom, je bénis son nom pour la grâce qu'il m'a accordée de me présenter encore au milieu de vous, peuple de Dieu. Je remercie également notre pasteur, notre docteur Roger Boulay-Isaac, pour la grâce qu'il m'a accordée de me présenter également au milieu de vous. Car aujourd'hui, il a trouvé bon que je puisse venir afin de pouvoir annoncer l'évangile de paix, l'évangile de la grâce. Je bénis son nom, je bénis sa vie, je bénis également sa famille pour tout ce qu'il est en train de faire comme travail au sein de l'Assemblée des Saints. Voici, nous allons commencer, on avait commencé déjà ce thème, « Honore ton père et ta mère ». Un thème qui est grand et vaste, ça parle à beaucoup de gens, on peut l'enseigner de plusieurs manières différentes. Donc, si moi je prends un chemin quelconque, et que si jamais quelqu'un d'autre prend un autre chemin, l'objectif n'est pas que nous sommes en train de nous contredire, non. Dieu a fait grâce à tout à chacun, et nous l'expliquons par la grâce de Dieu avec la parole du Seigneur. Donc, voici le thème qu'on avait commencé depuis le dimanche passé. Honore ton père et ta mère. J'ose croire que l'Éternel nous fera du bien, afin que nous puissions comprendre la pensée qu'il veut nous communiquer aujourd'hui. J'ose croire qu'il va parler à nos cœurs, qu'il va vous parler ainsi que moi-même, afin que nous ne puissions point être dans la confusion. J'ose croire que la main de Dieu, aujourd'hui, visitera une personne et l'enlèvera du mauvais chemin pour la mener dans le droit chemin. Vous savez, il est écrit que lorsqu'on construit une maison, la personne qui construit une maison sur le toit, il doit faire gaffe, construire une balustrade, afin que si jamais il parvient à tomber du toit, qu'il ne puisse pas se tuer, qu'il ne puisse pas se briser le os. Donc, pour la sécurité de cet homme, il est préférable et convenable qu'il puisse construire une balustrade. Et nous disons que aujourd'hui, la balustrade, c'est la parole de Dieu. Au cas où tu parviens à tomber, la personne qui peut te garder, la personne qui peut te secourir, n'est que la parole, n'est que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ose croire que vous allez point tomber, parce que la promesse dit que même si vous parvenez à tomber du balustrade, que le balustrade ne vient pas vous rattraper. Dieu a donné ordre à ses anges de pouvoir te porter sur ses mains, afin que tes pieds ne puissent pas heurter une pierre. Vous voyez cela? Donc, même s'il y a des moments difficiles, que la parole que tu connais, que tu avais construit à la maison, pour que tu puisses pas tomber, les versets que tu avais pour te fortifier, pour ne pas tomber de la maison, même si à un moment donné, ça ne te fortifie plus, ça ne t'encourage plus, la vie chrétienne que tu avais te semble amère, mais vu que tu es enfant de Dieu, vu que tu as été appelé, car la Bible déclare que l'Éternel nous connaît par notre nom. J'ose croire que Dieu te connaît par ton nom. Vu qu'il te connaît, même si tu passes de temps difficile, sache-le qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tomber. Ton corps ne va pas se briser. Tu ne vas pas te casser le dos. Même si tu tombes du balustrade, l'Éternel a donné ordre à ses anges. Et ces anges vont te rattraper. Donc j'ose croire qu'aujourd'hui, les anges de Dieu vont venir te rattraper. Que tes pieds ne puissent pas être blessés. Car nous disons que le pied, ce n'est que l'évangile. Que cela ne puisse pas se blesser. Parce que Dieu t'aime énormément. Donc écoutez
avec attention et soyez attentifs, car comme je dis, j'ai la foi que vous n'allez pas tomber et que vous allez comprendre ce que nous allons annoncer aujourd'hui. Nous allons lire Exode chapitre 20 à partir du 12e verset. Ainsi nous débutons, nous commençons notre thème. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Enfin, donc, la raison, le pourquoi, le résultat de si tu honores ton père et ta mère, c'est que tes jours vont se prolonger. Tes jours vont se prolonger sur la terre dans laquelle l'Éternel va te donner, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous avons dit que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons avoir l'explication des Écritures. Parce que si nous les lisons en français, en portugais, en espagnol, nous ne pourrons pas comprendre la pensée de Dieu. Car la Bible déclare que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Donc, cette écriture, c'est l'ordonnance. Cette écriture ne peut point passer, c'est la parole de Dieu. Tout va passer, mais cette écriture ne peut pas passer. La terre et le ciel vont passer. Mais honore ton père et ta mère, bien-aimés frères et sœurs, cela ne peut pas passer. Alors nous nous posons la question en tant qu'être humain. Mon père va finir par passer. Ma mère va finir par passer. Elle peut même mourir avant moi. Mon père peut même mourir avant moi. Mais si mon père est mort, comment pourrais-je honorer mon père et ma mère? Parce que l'Écriture dit que si tu honores ton père, si tu honores ta mère, c'est alors que tes jours vont se prolonger. Donc, les personnes peuvent se dire, vu que je suis malade, la parole de Dieu me dit d'honorer mon père et ma mère, je cours honorer mon père et ma mère. Je cours pour être un enfant fidèle, un enfant loyal envers mon père et ma mère, afin que mes jours puissent se prolonger. Mais nous verrons que ce n'est pas juste, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est quand tu le lis selon la chair. Tu lis la parole de Dieu avec ta pensée humaine et tu te mets à réfléchir avec la pensée humaine, tu mourras. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Tu partiras pour te cogner. Tu ne peux pas le lire avec ta pensée. Le père et la mère qu'on parle ici, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas non plus ton papa. Le fils qui doit honorer son père et sa mère, ce n'est pas ton fils ou ta fille que tu as. Non, il y a un pourquoi et il y a une explication. Dieu vient et Dieu parle en parabole. Dieu parle par des signes. Mais l'Esprit du Seigneur doit interpréter, enseigner, ouvrir ce qui est caché. Voilà pourquoi Isaïe dira que ce livre est un livre cacheté. Ce livre est un livre scellé. Qu'on le prend, on le donne à un homme. On dit, toi maman, toi papa, tu sais lire? Lis un peu ce livre. La personne prend le livre, l'ouvre et comprend que non, je ne sais pas le livre. On lui pose la question, pourquoi? Et il répond, parce que c'est scellé. Parce que ce livre est cacheté. Ce livre est mystérieux. Donc, je ne sais pas le lire. Et la Bible dit que, dans ce cas, on prend, on donne à une personne qui ne sait pas lire. On dit, bon, toi, peut-être, tu ne sais pas lire, mais essaie un peu de lire. La personne ouvre et se rend compte que non, moi, à la base, je ne sais pas lire. Alors, comment voulez-vous que je puisse même lire? Ah, donc, nous comprenons que c'est un livre qui est scellé. Un livre mystérieux. Or, ce livre ici, le seul qui peut le déceler, c'est tout un agneau. C'est un agneau qui est capable de pouvoir ouvrir le livre.
voyez ça. Et si tu n'as pas cet agneau, frère et soeur, tu ne peux pas lire ni ouvrir cela. Tu ne peux pas comprendre parce que le lecteur de ce livre, c'est un agneau. Il faut manger cet agneau et boire son sang. Et c'est cet agneau en toi qui pourra te dire qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire? Or, nous revenons au notre Père et ta Mère. Et nous disons en tant qu'humains, il y a des personnes qui étaient enceintes. Et du coup, l'enfant est mort dans le ventre, que nous appelons des morts-nés. Alors on se pose la question, si cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mourir dans le ventre? La Bible dit que honore ton père et ta mère, en fait, les choses se prolongent. Est-ce que cet enfant dans le ventre n'a-t-il pas honoré son père? Est-ce que l'enfant n'a pas honoré sa mère? Cela n'a pas de sens. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que même les gens qui sont morts à la guerre, l'enfant qui est mort à la guerre, que Dieu a permis que la fille, que le fils puisse mourir à la guerre, est-ce que cet enfant n'a-t-il pas honoré son père et sa mère? Et aussi, nous avons des enfants qui ont réellement honoré leur papa, qui ont également honoré leur maman, mais ces enfants sont morts à bas âge. Ces parents-là, comme j'avais dit, s'ils prennent cette écriture à la lettre, notre Dieu est amoureux. Parce que Dieu n'a pas respecté sa parole. Or, nous disons que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est faible devant sa parole. Il s'est tait. Il exauce sa parole. Or, que devant ces mamans, dans lesquelles le papa a été honoré par le fils, la maman, elle a été honorée par le fils, mais le fils est mort accidentellement. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, je comprends par là, frère, que l'écriture se donne une explication. Il faut avoir l'explication pour pouvoir comprendre ces choses. Et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer « Honore ton père et honore ta mère ». Or, Proverbes chapitre 6, verset 20, la Bible nous dit « Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Donc, Proverbes 6 nous dit que le père, c'est lui qui donne le précepte. Et la mère, c'est elle qui donne l'enseignement. Vous voyez ces choses? Donc, une personne qui doit honorer son père et honorer sa mère doit avoir le précepte du père et doit avoir l'enseignement de la mère. Parce que si tu honores ton père doit te donner son précepte. Si tu honores la mère doit te donner l'enseignement. C'est ça que nous allons développer. Donc, bien-aimés, pour ceux qui viennent pour la première fois, comprenez que nous laissons que la Bible, les Écritures s'enseignent elles-mêmes. L'homme ne peut pas donner ses pensées. Nous allons voir maintenant c'est quoi le précepte du Père. Parce que la Bible me dit que le Père, c'est celui qui donne le précepte. Et la Mère, c'est elle qui donne l'enseignement. Nous devons chercher avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le précepte du Père? Nous lisons les Écritures dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 20 au verset 21. Deutéronome 6, verset 20 au verset 21. Nous allons poursuivre et comprendre que veut dire le précepte du Père. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie ce précepte? Que signifie ce précepte? Ses lois et ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances. Que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit. Tu diras à ton fils. Tu diras à ton fils. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Ah! Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante.
Amen. Le précepte, Dieu dit, si je donne le précepte, comprenez bien, c'est que le jour où ton fils te demandera que veut dire ce précepte, les lois et les ordonnances que l'Éternel vous a donné. Donc, remarquez ce qu'est le précepte. Dieu dit, tu répondras à ton fils que l'Éternel nous a sortis. Nous y étions esclaves chez Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a sortis de l'Égypte par sa main puissante. Donc, le précepte de Dieu, le but, c'est pour te dire, souviens-toi de la sortie de l'Égypte. Parce que c'est ça que tu répondras si on te pose la question, frère. Le père que tu as honoré, qu'est-ce qu'il t'a donné? Pourquoi honores-tu le père? Il est écrit que tu dois répondre, parce que j'étais esclave et l'Éternel m'a sorti de l'Égypte. Donc nous comprenons qu'en réalité, le précepte est égal souvenir de la sortie de l'Égypte. Amen. Donc, toute personne qui a reçu le précepte du Père doit se souvenir qu'il était esclave un jour. Doit se souvenir que l'Éternel l'a visité lorsqu'il était esclave. Doit se souvenir de là où l'Éternel a enlevé sa honte. Parce que quand on était esclave, il y avait la honte, frère. Quand on est esclave, on ne peut rien faire. Donc le précepte vient pour nous enlever ces hontes-là. Le précepte vient pour nous enlever cette situation difficile qu'on avait. Tu étais esclave hier, bien-aimé. Et aujourd'hui, Dieu t'a envoyé le précepte pour te souvenir de là où il t'a sorti de l'Égypte. Or, nous sommes en train de dire, frère, que sortir de l'Égypte, ça veut dire que Dieu a enlevé ma honte, là où j'étais esclave. Mais c'est ça que nous appelons Joseph, frère. Parce que souvenez-vous bien que le bien-aimé Rachel, elle va venir chez Joseph. Dire, oh Joseph, donne-moi un fils, sinon je meurs. Ah, nous avons compris que Rachel, c'est une femme très sage. Que l'Éternel bénisse Rachel, frère. Parce que Rachel a compris que si je n'ai pas le fils, vaut mieux que je meure. Beaucoup n'ont pas le fils et se réjouissent. Mais Rachel dit non. Moi, si je n'ai pas le fils, vaut mieux que je meure. Ah, parce que si tu n'as pas le fils, cela veut dire que tu es dans la mort déjà. Amen. Il faut avoir le fils pour que tu vives. Voilà. Or, le fils, ce n'est que Joseph. Celui qui a le fils à la vie, c'est Joseph. Joseph signifie, lorsque l'orage Joseph, la Bible déclare qu'elle dit ceci, que Dieu a enlevé mon opprobre. J'étais esclave. Aujourd'hui, Dieu a enlevé mon opprobre. Donc, nous voyons que l'Éternel dit au peuple d'Israël que le précepte, c'est Joseph. Je vous ai sorti de l'Égypte. Souviens-toi de Joseph. Parce que nous disons que c'est Joseph qui a fait sortir sa famille de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph veut dire Dieu a enlevé mon opprobre. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, ils avaient l'opprobre sur eux. Ils avaient la honte sur eux. Et l'Éternel va venir les enlever de là. Et Dieu dit ceci, souviens-toi de là où j'étais pris. Souviens-toi de l'Égypte. Si aujourd'hui, bien-aimé frère, on te demande par ton fils,
Pourquoi sers-tu Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Le précepte doit répondre. Mon fils, hier, j'étais prostitué. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a secouru. Mon fils, hier, j'étais un bandit. J'étais un voleur, un brigand. J'allais en prison. Et l'Éternel m'a sorti de là. Mon fils, hier, j'ai risqué plusieurs fois la mort. Mais l'Éternel m'a secouru. Le précepte, c'est le souvenir que Dieu t'a sorti de l'opprobre. Le précepte, c'est le lieu de souvenir. Raison pour laquelle Dieu a envoyé le précepte au peuple d'Israël. Mais pose-toi, bien-aimé frère et soeur, la question. Est-ce qu'aujourd'hui as-tu le précepte? Est-ce que tu te souviens encore là où Dieu t'a pris? Est-ce que tu te souviens là où Dieu t'a retiré de ta maladie? Est-ce que tu te souviens? La Bible me dira qu'il y avait une femme qui avait les pertes de sang. Mais quand cette femme rencontre Joseph, malgré que le sang a duré 12 ans, le sang tombait. Or, le sang, c'était la vie. Le sang tombait. Elle partait vers la mort. Elle était esclave des médecins, esclave des hôpitaux. Mais le jour qu'elle a rencontré Joseph, frère, Joseph vient et va l'enlever son opprobre. Souviens-toi là où Dieu t'a retiré. Les miracles qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille. Tu étais pauvre. Tu manquais de tout. Mais aujourd'hui, tu as quoi mettre? Tu sais te vêtir. Souviens-toi de l'opprobre que Dieu t'a retiré. Beaucoup souffrent actuellement. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim et de soif. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de quoi pouvoir boire de l'eau. Ils n'ont même pas. Et manque d'eau, ces personnes arrivent à mourir. Mais toi, dans ta cuisine, il y a l'eau qui coule. Ça là, c'est une grâce que tu négliges tous les jours. Beaucoup de gens aimeraient même avoir l'eau qui coule là, pouvoir de quoi boire et manger. Regarde-toi, frère. Tu vas constater que Dieu t'a enlevé ton opprobre. Analyse-toi seulement au miroir. Analyse-toi seulement au miroir, frère et soeur. Les yeux que tu as pour pouvoir voir. Sais-tu combien sont des aveugles? Et cherche que Dieu vienne enlever l'opprobre. Ah, voilà. Je suis en train de voir cet homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée abandonné de tous. Lorsque Bartimée a vu Joseph en train d'avancer, Bartimée s'est mis à crier, fils de David, fais-moi grâce. Lorsqu'il s'approche de Joseph, Joseph lui demanda, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée pouvait tout demander, frère. L'argent, une famille, une femme, il peut tout demander. Mais Bartimée demande seulement que ses yeux puissent voir. Donc, la soif de cet homme, le problème de cet homme, le désir de cet homme, c'est seulement Seigneur, ouvre-moi les yeux. Le souhait précieux de cet homme, ouvre-moi les yeux. Mais toi, regarde-toi, tu as les yeux pour voir. Est-ce que tu rends gloire à Dieu qui t'a enlevé les opprobres? Avons-nous vraiment besoin, frère, de devenir aveugle pour que la main de Dieu se manifeste, que mes yeux voient, pour que je mette à louer l'Éternel? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'arriver à ce niveau-là? Je n'ai pas besoin. Un jour, je me suis mis à prier et je suis en train de bénir Dieu parce que j'avais les yeux pour voir. Oui, il y a des sœurs, il y a des frères qui partent même dans les maisons des marabouts juste pour que le marabout là parvienne à les ouvrir les yeux.
Il faut des sacrifices juste pour que les yeux s'ouvrent. Également même, la bouche pour parler, frère. Nous avons la bouche pour parler, comme ils sont des muets et ils aimeraient parler. Combien sont des sourds et aimeraient entendre le son de leurs enfants, la voix de leur maman, papa, la voix de leurs enfants. Combien sont sourds, n'arrivent même pas à entendre. Mais toi, regarde toutes les manières là où Dieu t'a enlevé les opprobres. Rends gloire à Dieu. Parce que Joseph t'a visité. Tu étais esclave hier, mais Joseph t'a visité. Rends gloire à Dieu. Ta vie n'était pas pareille hier. Tu étais abandonné de tous. Mais aujourd'hui, ta vie a changé depuis que tu as rencontré Joseph. Nous allons continuer. Car nous croyons, frère. La Bible dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Garde Joseph, frère. Garde Joseph et explique-le à tes fils. D'où tu viens? Pourquoi aujourd'hui tu sers Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu es une femme de prière? Pourquoi aujourd'hui tu es un homme de prière? Ton support, c'est ça le précepte. Expliquez le pourquoi aujourd'hui tu suis le Seigneur. Expliquez que je porte ma croix chaque jour. Pourquoi je porte ma croix et je suis cet homme? Il faut savoir expliquer, frère. Beaucoup suivent la famille. Ils sont en train de suivre Jésus. Mais ils ne savent même pas pourquoi ils suivent Jésus. Ces personnes-là, lorsque le vent souffle, le vent les emporte toujours. Parce qu'ils n'ont pas le souvenir de là où l'Éternel les a enlevés de l'esclavagisme. Nous allons continuer, frère. Nous allons essayer d'expliquer la mère. Car tu me dis que mon fils garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Or, l'enseignement, frère, la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Vous voyez ça? Nous sommes en train de dire ici que le père, c'est une lampe, et l'enseignement, la mère, c'est une lumière. Or, nous avons dit que le précepte, c'est le souvenir que Dieu a enlevé mon opprobre, que nous appelons Joseph. Parce que c'est Joseph qui vient enlever le personne de leur opprobre. Et la lumière, la Bible dit que la mère plutôt, c'est la lumière. Donc, la lampe, c'est Joseph. La mère, c'est la lumière. Or, que veut-il la lumière? À quoi ça sert la lumière? Quel est le but de la lumière? Nous allons voir que lorsque Dieu a créé le monde, le ténèbre était sur la surface de la terre. Le ténèbre régnait sur la terre. Et Dieu dira que la lumière soit et la lumière fut. Or, l'objectif, le but de la lumière, c'était de mettre fin au règne de ténèbres. Car le ténèbre régnait, frère. Et la lumière vient mettre fin au règne de ténèbres. Donc, nous disons, frère, que la lampe, c'est le père qui est Joseph. La lumière qui est la mère signifie la fin du règne de ténèbres. Voilà. Vous voyez ces choses? Pourquoi? Donc nous allons voir qu'en fait, Joseph est une lumière allumée. Elle est une lampe allumée. Nous allons avancer. Remarquez ceci. Que en Joseph, il y avait en lui la mère, parce que la lampe, dans la lampe, il y a la lumière. Une lampe qui n'allume pas, tu seras toujours dans les ténèbres, frère et soeur. À quoi ça sert de recevoir une lampe?
Mais ta lampe, elle ne s'est pas éclairée. Elle ne s'est pas allumée. Cette lampe-là, faut la jeter. Parce que la lampe, elle est inutile. Vu qu'elle n'éclaire pas. La lampe, faut la jeter. Or, nous disons que la lampe, c'est ça, Joseph, que nous avons dit. Et la lumière doit se trouver dans Joseph. Et nous avons dit que la lumière, c'est ça qui vient mettre fin au règne des ténèbres. Voilà pourquoi nous comprenons, frère, que Joseph, en lui, c'était lui qui est venu mettre fin au règne des ténèbres. Au règne des ténèbres. Nous allons expliquer ça comment. Remarquez ceci. La Bible dit que lorsque Joseph est venu, et que Joseph était en Égypte, le peuple d'Israël, ils avaient la famine. Ils avaient la souffrance. Et ils sont partis en Égypte. Et arrivés en Égypte, frère, le peuple d'Israël va habiter à Goshen. Or, voilà. Donc, nous disons que l'Égypte, c'est le ténèbre. Pourquoi l'Égypte, c'est les ténèbres? Parce que vous allez comprendre que les ténèbres régnaient sur la terre et la lumière est venue après. Et en Égypte, il y avait également les Égyptiens et le peuple d'Israël est venu après. Et nous avons dit que Joseph est celui qui va mettre fin aux opprobres. Donc, fin à la souffrance. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ce peuple-là sort par Joseph et arrivé à la mer Rouge, nous devons voir la fin du règne des ténèbres. Vous voyez ça? Or, la fin du règne des ténèbres, c'est ça la lumière. Nous devons voir la lumière s'allumer. Nous allons lire une écriture. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Les années des méchants sont abrégées. Ok? Donc, la crainte de Dieu augmente les jours. Et les années des méchants sont abrégées. Cela veut dire, la crainte de Dieu, c'est le Père et la Mère, nous avons dit. Et cette crainte-là va augmenter les jours des gens. Or, le peuple d'Israël arrivait à la mer Rouge. Leur jour devait s'arrêter. Voilà là où nous sommes. Leur jour devait s'arrêter, arriver à la mer Rouge. Mais la crainte de Dieu fera qu'ils puissent traverser. Et ce qui le fait traverser, c'est la lumière. Parce que la lumière, c'est la fin des règnes des ténèbres. Et nous disons, celui qui a trouvé Joseph, en Joseph, il y a la fin du règne des ténèbres. Sans Joseph, tu ne peux pas arriver de l'autre bord. Parce que c'est à travers Joseph, frère, celui qui vient te faire sortir de l'esclavagisme, et également celui qui va t'amener dans le pays que Dieu t'a promis. Nous allons continuer parce que nous croyons que si tu n'as pas Joseph, tu ne sais pas voir le roi. Voilà ce que nous disons. Joseph est celui qui peut t'amener devant Pharaon. Même si tu viens avec tous tes grades, tu ne peux pas voir le roi si tu ne passes pas vers Joseph. Or, Joseph, ce n'est que notre Seigneur Jésus. Le corps de notre Seigneur Jésus. Et en Jésus, il y a la lumière du monde. Selon Luc chapitre 2, Siméon dira que cet enfant, c'est la lumière des nations. Donc en Jésus, il y a la lumière pour les nations. Donc Jésus est celui qui va mettre fin au règne de ténèbres dans ta vie, frères et sœurs. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas mettre fin au règne des ténèbres. Parce que en
Joseph, il y a la fin de règne des ténèbres. Il faut avoir cet homme Joseph, qui n'est que la lampe et qui n'est que la lumière éclairée. Il faut qu'il éclaire dans ta vie. C'est alors que tu peux traverser la mer rouge. Nous allons lire en verset frère. Parce que la Bible dit que la crainte des ténèbres augmente le jour. Selon le Proverbe chapitre 10, verset 27. Mais les années des méchants sont abrégées. C'est quoi la crainte de Dieu? Nous allons lire dans le Proverbe chapitre 8, verset 13. J'ai lu Proverbe verset 8, 13. Voilà. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que j'ai haï. Voilà ce que j'ai haï. Amen. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, la haine de l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. C'est ça que Dieu est. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de dire que la crainte de Dieu, c'est ça qui augmente les jours. Et nous avons expliqué par la grâce du Seigneur que, en réalité, le père et la mère, la Bible dit que c'est si tu honores ton père et ta mère, c'est alors que tes jours vont se prolonger. Et nous avons dit que le père, ce n'est que Joseph, qui est la personne qui vient ôter nos opprobres. Parce que le précepte, c'est celui qui vient pour nous confirmer que Dieu a enlevé notre opprobre. Et la mère, c'est la fin du règne des ténèbres parce que la mère, c'est la lumière. Donc, en d'autres termes, la lumière vient marquer la différence. Vous voyez? Celui qui a la lumière est un homme qui marque la différence. La Bible dira que Dieu va marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Or, celui qui a marqué la différence, nous disons que c'est Joseph. C'est Joseph qui s'est marqué la différence. Parmi tous ses frères, parmi tous les enfants du peuple d'Israël, celui qui marque la différence, c'est Joseph. Vous voyez? Parce que tu peux venir et tu dis, je suis Judas, je suis un jeune lion, moi, je suis Issachar, un robuste. Oh, moi, tu ne me connais pas, je suis Dan, le serpent. Oh, je suis Nephtali, une biche. Mais tous tes grades, tous les noms que tu as, ne peuvent pas marquer la différence devant Pharaon. Devant Pharaon, il n'y a qu'un seul homme qui peut t'amener vers Pharaon. Peu importe de qui tu es, peu importe de ton grade, celui qui marque la différence, c'est Joseph. C'est Joseph qui vient t'amener chez Pharaon. Personne ne peut aller au Père sans passer par Joseph. Personne ne peut voir le roi si tu n'as pas reçu Joseph comme chemin pour t'amener chez le roi. Donc, c'est Joseph qui est la fin, la différence entre ses frères et ses sœurs. Nous avons dit que c'était Joseph, frère et sœur. Or, la Bible nous dit que la crainte de Dieu augmente les jours et les années des méchants sont abrégées. Et on nous dit que la crainte de Dieu, nous demandons la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voilà. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, doit avoir en lui la haine du mal. Comment tu peux craindre Dieu et que tu n'as pas la haine du mal? Nous devons expliquer le mal. Quand Dieu dit qu'il a la haine du mal, que la crainte de Dieu c'est la haine du mal, que cela signifie? Que cela veut dire? Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 24 verset 20. Là nous allons voir que veut dire la haine du mal, frères et sœurs. J'ai lu Proverbes 24 chapitre 20 au nom de Jésus. Amen. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteignent. La Bible dit que la lampe des méchants s'éteint. Parce que le mal, c'est celui qui a la lampe éteinte. Comprenez là où nous sommes partis, frères. Le mal,
Dieu n'aime pas le mal. Dieu est le mal. Et nous devons haïr le mal. Et nous posons la question aux Écritures, c'est quoi le mal? Et les Écritures nous répondent que le mal, c'est la langue des méchants qui s'éteint. Donc, le mal est égal à langue qui s'éteint. Or, nous avons dit que la langue était Joseph. Dieu a enlevé mon opprobre. La langue, c'est la parole, le précepte de Dieu. La lumière, c'est ça l'enseignement, l'explication. En d'autres termes, la fin des règnes des ténèbres. C'est l'explication qui va mettre fin aux règnes des ténèbres dans ta vie. Si tu n'as pas l'explication de la parole de Dieu, les souffrances vont toujours exister, frère. Les problèmes, tu l'auras toujours. Parce que la parole s'explique. Il faut avoir l'enseignement, la mère avec toi, pour que tu puisses avoir la lumière. Parce que la lumière, c'est la mère. Et la mère, c'est l'explication. Or, nous avons dit ici que le mal, ce sont les personnes qui ont la langue. Mais leur langue s'éteint. Remarquez avec moi. Le mal est la personne qui a la langue. La langue, c'est la parole. La langue se dit, oui, Dieu m'a enlevé de mon opprobre. Il a le souvenir. Mais leur problème de ces gens-là, leur langue s'éteint. Donc, nous comprenons qu'en fait, les personnes-là, leur enseignement est éteint. Vous voyez ça? Parce que, on explique ça comment? Que le méchant, voilà, les personnes, nous allons lire un verset, frère. Comme ça va nous aider mieux à avancer dans ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire. Non, voilà. On est en train de dire ici, frère, que Joseph est celui qui fait sortir le peuple de l'Égypte. Mais arrivé à la mer Rouge, frère, c'est la parole. C'est le travail de la lumière, l'enseignement, frère. C'est l'enseignement qui va mettre fin au règne des ténèbres. Mais or, le méchant, eux, ils n'ont pas la lumière. Les méchants, eux, leur langue s'éteint. Et Dieu est les personnes dans lesquelles les lampes s'éteignent. Nous avons dit que la lampe, c'est celle qui va mettre fin au règne des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'Égypte. Comprenez que lorsque Joseph a fait sortir le peuple de l'Égypte, malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, les Égyptiens le poursuivaient toujours. Les ténèbres n'étaient pas finies. Or, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, les ténèbres les poursuivaient. Mais arrivé au Jourdain, arrivé à la mer Rouge, c'était là, que nous devons voir la fin des ténèbres. C'était là que la lumière doit arrêter, mettre fin du règne de ténèbres. Or, la lumière, nous avons dit que c'était ça la parole. Non, c'était ça la mère, l'enseignement. La parole, c'est le Père, c'est le précepte. C'est Joseph qui fait sortir le peuple. Mais la lumière, c'est celui qui va mettre fin au règne de ténèbres. C'est nous voyons la lumière se manifester devant la mer Rouge. C'est ça qui va mettre fin au règne de ténèbres. Nous disons quoi? Nous disons que c'est l'explication, la mère, qui va mettre fin au règne de ténèbres. Beaucoup ont la langue, beaucoup ont la parole, mais ils ne savent pas mettre fin au règne de ténèbres parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est l'explication. Ils n'ont pas l'explication de la mère. Ils n'ont pas l'explication de la parole qu'ils ont reçue. Et la Bible dit que Dieu est les personnes qui ont la langue, mais qui n'ont pas la lumière. Dieu les est. Donc nous comprenons en vérité que le mal, ce sont les personnes qui ont la parole sans explication. Voilà. Dieu déteste. Dieu est les personnes qui enseignent la parole sans explication, qui cachent l'explication, qui ne viennent pas
révélé l'explication. Vous voyez ça? Donc, tu as la parole de Dieu, mais tu ne donnes pas l'explication au peuple. Tu es en train d'amener le peuple vers la mort. Et la Bible dit que c'est eux le mal. Comment reconnaître une personne qui est mal? Comment reconnaître le mal? C'est qu'il a la parole, mais il n'a pas l'enseignement de la parole. Il a la parole, mais il cache l'explication. Et il est en train de tuer le peuple de Dieu. Beaucoup de pasteurs, frères, ils sont là. Et ils vont se mettre à prier. Ils prient pour une personne. La personne a été guérie. Gloire à Dieu. Mais il va demander maintenant les offrandes. Que cette personne-là puisse donner de l'argent par rapport à la guérison que Dieu l'a fait. Les personnes, les pasteurs viennent et commencent à dire des choses sans qu'il y ait écrit. C'est ça qu'on appelle le mal, frère. Nous devons haïr le mal. Toute personne qui enseigne la parole sans donner l'explication de la parole. C'est ça que Dieu est en train de dire. Que nous devons haïr le mal. Ils viennent et te disent, paye ta dîme. Paye ta dîme. Et toi, tu regardes, ils donnent un verset biblique. Dans la loi, on paye la dîme. À la loi, il y avait tout le monde qui venait avec leur dîme. La Bible dit, Malachie, apportez la maison du trésor, vos dîmes. Et toi aussi, tu amènes la dîme. Mais cette personne-là, quand on lui demande l'explication, la mère, l'enseignement, l'explication de ce qu'on a dit, ou bien il n'en a pas, ou bien il l'a mais il le cache. Cette personne, c'est très simple. Tu lui poses la question, frère. La dîme se donnait par le peuple. Le peuple donnait leur dîme aux Lévis. Et les Lévis donnaient au souverain sacrificateur. Dis-moi, moi aujourd'hui, au temps de la grâce, je suis de quel peuple? Suis-je Zabulon? Suis-je Nephtali? Suis-je Dan? Suis-je Issachar? Pour que je puisse porter ma dîme chez toi, le Lévi. Quelle tribu suis-je? Voilà. Vous voyez que la personne ne peut pas t'expliquer. Ne pourra pas te dire de quelle tribu es-tu. Oh, dans le temps de la grâce, nous sommes tous des souverains. Nous sommes tous des sacrificateurs plutôt. Donc, un sacrificateur ne reçoit pas, ne paye pas la dîme comme ça. Vous voyez ça? Mais ces pasteurs vont nous prendre et vont nous prêcher la parole et ils ne donneront pas l'enseignement. Ils vont cacher l'enseignement. Comme on avait entendu un pasteur qui voulait oindre une sœur parce qu'on a vu que Moïse a lavé Aaron. Donc lui aussi, il voulait laver la sœur par rapport à cette écriture-là. Vous voyez cette chose? L'abomination est en train de rentrer dans le peuple de Dieu. Et Dieu dit qu'il a la haine envers les personnes qui n'ont pas l'explication de la parole. Et nous allons continuer nos écritures. Donc, nous allons voir maintenant, parce que la Bible dit aussi qu'il a la haine envers les arrogants et les personnes orgueilleuses. Nous allons lire Proverbes chapitre 14, verset 16, pour poursuivre qui est l'arrogant, et après nous allons expliquer qui est l'orgueilleux de la parole du Seigneur. J'ai dit Proverbes 14, 16, au nom de Jésus. Amen. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais le sensé est arrogant et plein de sécurité. Amen. La Bible dit que le sage a de la retenue et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Donc, le sage, c'est celui qui se détourne du mal. Et nous avons dit que le mal, dans la parole du Seigneur, le mal, ce sont les personnes qui donnent des faux enseignements. Les personnes qui n'ont pas l'explication de la parole. Ils ont la lampe, mais leur lumière est éteinte.
C'est ça le mal. Donc, les personnes qui donnent les faux enseignements, qui n'éclairent pas le peuple de Dieu, et ils laissent le peuple dans le ténèbre. Car si tu n'as pas de lumière, la lampe ne te sert à rien. Le peuple est dans la lumière. La Bible dit que le sage, c'est une personne qui se détourne du mal. Une personne qui n'aime pas les faux enseignements. Une personne qui n'aime pas les données que tu recevras. Une personne qui n'aime pas de donner la gloire à un homme. C'est ça, le sage. Mais or, l'insensé, la Bible dit que l'insensé est arrogant. Donc, l'arrogant est un homme insensé. Vous voyez ces choses? Donc, nous allons voir l'arrogant qui devient insensé. Mais qui est insensé devant Dieu? Voilà. Nous allons lire Proverbes chapitre 1 pour comprendre c'est qui l'insensé devant Dieu. Pour que nous puissions comprendre, on a compris le mal. C'est les faux enseignements. Maintenant, nous devons comprendre, nous devons haïr aussi l'insensé. C'est quoi l'insensé? J'ai lu Proverbes chapitre 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Oui. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Ok. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Donc, l'insensé est celui qui méprise le sage. Et nous avons dit que les sages, c'est les personnes qui n'aiment pas les faux enseignements. Les sages, c'est de tout les faux enseignements. L'insensé, l'homme arrogant, c'est celui qui méprise les hommes qui n'aiment pas les faux enseignements. Vous allez comprendre, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps où l'insensé méprise ceux qui n'aiment pas les mauvais enseignements. Nous sommes combattus. Vous serez combattus lorsque vous viendrez déclarer la vérité. Vous serez combattus et pourchassés si vous annoncez la vérité. Dire à un pasteur que ce qu'il dit est faux, il est capable de vous chasser de son église. Parce que nous disons que c'est son église. Donc, il peut te chasser de son église. Mais le corps du Christ ne pourra jamais te chasser, frère et soeur. Nous sommes à un temps où quand tu te lèves et tu dis, pourquoi nous pratiquons de telles choses, de telles choses, de telles choses dans l'assemblée qui ne sont pas écrits. Des bouteilles d'eau, soi-disant les eaux bénites, nous devons payer pour recevoir une guérison. Dans les assemblées, on vend des bouteilles d'eau. Dans l'assemblée, on vend de l'huile de palme, en disant que c'est l'huile d'onction. Dans l'assemblée, on vend la guérison. Mais si tu te lèves pour témoigner que ça, c'est faux, l'insensé te verra et te méprisera. L'insensé te combattra. Parce que l'homme sage est celui qui se détourne des mauvais enseignements, des mauvaises pratiques. L'homme sage est celui qui refuse de dire amen à n'importe quoi. De dire amen, acclamer du n'importe quoi. L'homme sage est celui qui se détourne de ces choses-là. Mais l'insensé, son problème, c'est de voir les gens qui aiment les bons enseignements pour les mépriser. Sache que tu ne seras pas considéré, bien-aimé frère et soeur. Dans ce temps actuel, tu ne seras pas considéré. Si tu viens annoncer l'évangile véritable, le véritable évangile, tu ne pourras pas être considéré. On ne va pas t'aimer. Tu viens et tu vois les abominations sur les offrandes. Tu vas annoncer la vérité. On te chassera de l'assemblée. Tu viens et tu vois qu'ils sont en train de vendre les guérisons, la délivrance. Parce que je vous dis, j'ai été dans l'assemblée pareille. Dans l'assemblée où j'étais, pour que tu puisses venir, on prie pour toi. Il fallait payer. Il y a un prix. Il y a un prix à payer pour qu'on puisse prier pour toi. Ceux qui savent d'où je viens, ils savent ces choses-là. On paye la délivrance. J'ai même une sœur. Dans son assemblée,
Ils étaient en veillée. La sœur, elle aime beaucoup prier. Ce jour-là, on se voit. Elle m'a dit, oh, logiquement, on avait veillé aujourd'hui, mais j'irai pas. Je lui demanda pourquoi. Toi qui aimes beaucoup la prière, c'est ce genre de choses que tu aimes beaucoup. La sœur me dit, non, parce que cette fois-ci, c'est une veillée payante. J'ai pas d'argent pour y aller. Ah! Donc, la veillée est payante. Toi qui vas pour prier Dieu. Donc, tu vas chercher à t'approcher encore dans la vie de prière. Après de dormir à la maison, tu te lèves, aller et commencer à prier. On te soutire de l'argent, frère. On te soutire de l'argent. Ces assemblées-là sont remplies. Parce qu'il y a un big pasteur, une star, pasteur très connu au-delà, au-dessus de Jésus dans leur assemblée à eux. Donc, ils sont soumis à tout ce qu'il dit. Et les gens ils disent Amen. L'insensé se détourne du mauvais enseignement. La Bible dit, il faut avoir la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est la haine des mauvais enseignements. La crainte de Dieu, c'est la haine de l'arrogance. Et l'arrogant, c'est l'insensé. Et l'insensé, c'est les personnes qui vont mépriser les gens qui suivent les bons enseignements. Sache-le, frère, même dans ton assemblée, ou même toi qui n'es pas de notre assemblée, si tu annonces la vérité dans ton assemblée, sache que tout le monde ne va pas être aimé, frère. Même à la maison, chez toi, même à la maison, nous avons des gens qui sont à la maison qui reçoivent l'évangile. L'évangile pur et véritable. Et lorsqu'ils vont annoncer ça à ses frères, à ses parents, tu vas voir que maman est déjà inculquée par les faux enseignements, elle ne veut même pas écouter la personne. On ne va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter, frère. On ne va pas t'écouter. Or que Dieu est les insensés. Nous allons continuer. Parce que la Bible dit que Dieu est également les orgueilleux. Or que le livre de Jacques, chapitre 4, nous dira que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. L'Éternel résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Et on nous dit que Dieu est les orgueilleux. Donc nous comprenons que pour voir un orgueilleux, pour comprendre qui est l'orgueilleux, que Dieu est en train de résister, Dieu te dit clairement, c'est les gens que moi j'ai résisté. Et les gens humbles, c'est ces gens-là que moi je fais grâce. Donc dans notre vie, pour comprendre qui est un orgueilleux, que Dieu est, et qui est l'humble, c'est l'humble et la personne qui a reçu la grâce. Et l'orgueilleux, c'est la personne que Dieu résiste. Or, la Bible dit que la grâce est tout un homme. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Donc, celui-là qui est humble, c'est la personne qui a reçu Jésus dans sa vie. C'est la personne qui marche avec Jésus. L'orgueilleux ne marche pas avec Jésus. L'orgueilleux est une personne que Dieu résiste. C'est la personne que Dieu résiste. Et ces gens-là, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu le résiste. Et j'aimerais nous dire, ne soyons pas les orgueilleux. Ne rejetons pas le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la parole que nous avons reçue. C'est cette parole-là qui change nos vies, qui transforme nos vies. Mais l'orgueilleux va venir le dimanche à l'église, habillé en tant que saint. Et la semaine, celui-là qui est en train de courir derrière les femmes, c'est celui-là qui est en train de courir vers la masturbation. L'orgueilleux n'a pas la grâce en lui, n'a pas Jésus dans son cœur. Nous te voyons parmi nous,
Mais ma soeur, ça se met que la personne avec qui tu es en couple est un homme marié. Mais nous te voyons de l'assemblée. Et quand nous disons, arrête ça. Arrête ce que tu es en train de faire. L'orgueilleux n'aime pas, frère. L'orgueilleux ne veut pas abandonner le mal qu'elle est en train de faire. Et ces gens-là que Dieu résiste. Il serait réellement temps, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions, je dis bien nous, nous puissions tous nous repentir. Que nous puissions marcher dans le droit chemin. Tu peux tomber d'une manière ou d'une autre, mais ne demeure pas dans ton orgueil. Toi seul, tu sais ce que tu fais du mal. Au fond de toi, tu es orgueilleux quelque part. Il y a quelque chose que tu fais. Tu sais que cela n'est pas bon. Mais tu restes orgueilleux. Sache que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Même s'il peut te faire grâce aujourd'hui. Mais la grâce des orgueilleux, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Tu as peut-être soufflé de vie. Tu vas postuler quelque part ou te prendre directement au travail. Tu dis, oh, Dieu est avec moi, j'ai la grâce. Même si tu peux être un prédicateur en train de faire des techniques, tu fais tomber les gens, tu fais des délivrances, des miracles, des prophéties. Tu aimes beaucoup prophétiser sur les tailles des chaussures. Prophétise, frère. Mais sache que les orgueilleux, l'Éternel leur dira, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, car je ne vous ai jamais connu. Analyse ta vie. Et répondons-nous pendant qu'il est encore temps. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Il fait grâce aux hommes. Ceux qui marchent avec la parole de Dieu. Et mes frères, sachez une chose. On arrive vers la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vraiment que nous puissions retenir, frères et sœurs. Nous avons compris que la parole de Dieu, c'est ça le Père, le précepte. Et le précepte, l'objectif du précepte, c'est que nous ne puissions pas oublier là où l'Éternel nous a récupérés, frère. Que nous ne puissions pas oublier que Dieu a enlevé nos opprobres. Et la mère, c'est celui qui donne l'enseignement, qui vient nous expliquer sa parole. Que nous puissions demeurer dans la parole véritable. C'est ça qu'on appelle la mère. Mais sachez que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Et que Dieu puisse t'amener là où il t'a préparé une terre. Là où Dieu va te donner une terre. Mais la terre, comme nous avons dit l'autre fois, pour voir cette terre, Dieu a mis deux éléments principaux. La terre promise doit couler le lait. Et doit aussi couler le miel. La terre là où tu te trouves, frère, si le lait et le miel ne coulent pas, sache que tu n'es pas sur une bonne terre. Or, nous avons dit, frère, que le lait, dans la parole du Seigneur, le lait, selon Ésaïe 66, verset 11, le lait, c'est la consolation, frère. Donc, si tu honores ton père et ta mère, bien-aimé, frère, Dieu te donnera le pays qu'il t'a promis. Et dans ce pays-là, le lait va couler. La consolation sera dans ce pays-là. Si tu es dans un pays qui n'a pas la consolation, ce n'est pas le pays que Dieu t'a donné. Nous ne disons pas que le pays, la terre dont l'Éternel te donne, nous ne disons pas que c'est cette terre physique, frère. C'est tout un homme. C'est un homme qui garde la consolation, frère. Or, celui qui donne la consolation doit venir du Père. C'est le Père qui donne la consolation. Or, en Israël, frère, celui qui donne la consolation en Israël, la Bible l'appelle Manassé. Oui, parce que Manassé, c'est Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Nous disons que là, le pays que l'Éternel te donne,
dans ce pays-là doit couler le lait. Cela veut dire dans ce pays-là se trouvera Manassé. Nous disons que dans ce pays, nous devons rencontrer Manassé. Dieu doit me faire oublier toutes mes peines. Si tes peines ne sont pas oubliées, frère, c'est que tu n'es pas dans ce pays-là. Je vais t'exhorter ici pour te dire qu'il y a un homme qui dit, je suis Manassé. Venez à moi, vous, tout ce qui est chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. C'est lui qui vient faire oublier nos peines. C'est lui qui vient enlever tout ce que nous avons fait comme problème. Manassé, dans tes soucis, dans tes problèmes, appelle Manassé. Sache que tu as le lait avec toi. Bois le lait. Tes peines vont être oubliées. L'Éternel est avec toi, mon frère. L'Éternel est avec toi, ma sœur. Il ne t'a pas abandonné et ne t'a pas oublié. La consolation est dans ton cœur. Et nous avons aussi dit que dans cette terre-là, nous devons voir le miel. Or le miel, là, selon la parole de Dieu, le miel, c'est la parole agréable. Vous voyez ça, selon Proverbe chapitre 16, verset 24, qui nous dit que le miel, ce sont les paroles agréables. Et nous avons dit qu'en Israël, celui qui avait des belles paroles, des paroles agréables, n'était que Nephtali. Il y a un pourquoi. Parce que si tu as Nephtali dans ton cœur, frère, tu ne peux qu'avoir les paroles agréables. Joseph, Jacob, quand il a béni ses enfants, et il a dit à Nephtali, t'es une biche, et tu vas proférer des belles paroles. Or, les belles paroles, Nephtali veut dire quoi? J'ai lutté divinement avec ma soeur et j'ai vaincu. Le miel veut dire j'ai lutté divinement et j'ai vaincu. Pourquoi lutter divinement? Parce que Dieu nous a fait la promesse que dans le pays qu'il nous donne, il y aura des Éthiens, il y aura des Éviens, les Amoréens, les Jébusiens, qui seront là comme adversaires. Donc, pour avoir le miel, nous avons des combats. On ne peut pas avoir le miel sans combat. Sache-le, que la vie chrétienne, elle est difficile. Mais, si tu honores ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger sur la terre dans laquelle l'Éternel te donne. Et dans cette terre-là coule le lait, la consolation, et ça coule aussi le miel. Mais le miel, pour l'avoir, il faut lutter divinement. Quand nous disons divinement, sur la terre, nous avons vu qu'il a combattu contre les Jébusiens, les Éthiens, et tout ça, toutes ces personnes qui les entouraient. Mais or, nous allons voir cet homme qu'on appelle Samson, frère. Samson est un homme qui va venir combattre un lion. En déchirant les lions, il va revenir plus tard et va voir que dans ce lion-là, il y aura du miel. Mais autour du miel, il y avait des abeilles, frère. Pour que Samson mange le miel, il doit d'abord combattre avec le miel, avec les abeilles. Nous disons que la vie chrétienne est une vie de combat, la vie de persécution, dans laquelle les larmes peuvent couler. La souffrance peut venir. Les problèmes peuvent venir. Que tu es dépassé. C'est ça le combat de la vie chrétienne. C'est ça les abeilles qui sont tout autour du miel. Mais Samson doit combattre les abeilles avant de recevoir le miel. Combat le bon combat de la foi. J'aimerais dire à une personne de persévérer. Je veux dire à une personne de continuer le bon combat et de ne pas baisser les bras. Relève-toi et continue. La Bible dit que toi qui courais bien, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Pour recevoir le miel, il faut lutter divinement. Et après, tu peux avoir la victoire de Nephtali. Il y a d'abord la lutte avant que la victoire arrive. En Nephtali, il y a la lutte. Et aussi la victoire. La vie chrétienne,
nous devons combattre pour recevoir notre victoire, bien-aimés frères et sœurs. Et je suis en train de dire que le véritable Nephtali viendra et il dira ceci: en mon nom, vous chasserez les démons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons combattre et chasser les abeilles. Nous allons délivrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, mes frères, que Dieu vous bénisse. On est arrivé à la fin. J'ose croire que vous avez pu comprendre que la parole de Dieu, c'est ça le Père. L'enseignement, c'est la mère. Et le lait n'est que la consolation que nous devons avoir sur le pays dans lequel l'Éternel nous a promis. Le miel n'est que j'ai lutté et j'ai vaincu, qui n'est que Nephtali. Et nous avons dit, il faut lutter, frère, et il faut vaincre. Parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas la victoire ailleurs. Un jour, on m'a enseigné, frère, que pour délivrer un démon, pour délivrer une personne plutôt, chasser les démons, chez les voisins, on m'avait enseigné que les démons avaient peur de la parole de Dieu. Les démons n'aimaient pas la parole de Dieu. Et le pasteur, quand il disait la parole de Dieu, nous montrait la Bible. Il nous disait qu'il n'aime pas la Bible. Lorsque vous voulez dormir, prenez la Bible, mettez sous vos oreillers et les démons ne viendront pas. Les sorciers ne viendront pas parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas ça, ils ne viendront pas. Et moi, et beaucoup, je suis sûr que beaucoup d'autres aussi l'ont fait, moi je l'ai fait pourtant, j'ai pris ma Bible et j'ai mis sous mon oreiller. Parce que là, j'appelle Nephtali, le victorieux, le vainqueur. En fait, que Nephtali chasse les démons. En fait, que Nephtali combat pour moi. Et je mettais sous mon oreille. Et un jour, pendant le temps de la délivrance, il y avait un homme qui s'est manifesté, un frère qui s'est manifesté. Je me suis souvenu de l'enseignement que les démons avaient peur de la parole de Dieu. Frère, je suis venu avec ma Bible. Je commençais à montrer les démons. Oh, au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Je mettais la Bible sur son visage, au nom de Jésus, en pensant que c'est ainsi que j'aurai la victoire. Que c'est ainsi que je chasserai les démons. Ainsi je combattrai les abeilles. Or que ce n'était pas ça, frère. Combien de gens, peut-être aussi vous, peut-être qu'il y a une personne qui m'écoute, qui prend la Bible et met sous son oreiller en disant que j'ai mis la parole de Dieu sur ma tête. Que les sorciers, les marabouts ne puissent pas venir m'attaquer la nuit parce que la parole de Dieu me protège. Frère, nous sommes en train de dire ici que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que cette Bible-là, si je laisse trop à la maison et qu'il y ait des cafards à la maison, les cafards vont rentrer à la maison, vont manger ma Bible, vont manger la parole. Les sorciers ou même les souris pourront rentrer, même peut-être que chez toi, les souris ont mangé la Bible. Est-ce que nous devons dire que la souris elle est sauvée parce que la souris a mangé la parole de Dieu? Que les cafards sont sauvés parce qu'ils ont mangé la parole de Dieu? Parce que nous croyons que pour être sauvé, il faut manger la parole, frère. Et il dira, prenez ceci, ceci est mon corps. Mangez-en tous, buvez, ceci est mon sang, buvez-en tous. Donc, pour être sauvé, pour manger la parole de Dieu, frère. Ça, ce n'est pas la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Verset 14, les Écritures témoignent que cette parole s'est faite chair, frère. Beaucoup de gens portent une grosse Bible en croyant qu'ils ont porté la grosse parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent que non, si je montre aux démons, ils vont fuir. Je leur montre la parole, ils vont fuir. Non, la Bible n'est que les Écritures qui nous parlent de la parole de Dieu. Ça, c'est les Écritures.
Mais la parole, c'est tout un homme. La parole délivre. La parole affranchit. Car la parole est une vérité. La parole restaure. La parole de Dieu, elle est puissante. Et la parole de Dieu habite dans mon cœur. Quand nous avons reçu des mauvais enseignements, nous pratiquons des mauvaises choses. Beaucoup ont reçu des mauvais enseignements. C'est un exemple typique. Je pratiquais ça. Je dormais avec ma Bible sur mon oreiller. Et je l'ai mis sur la tête du frère en croyant le délivrer. Le frère, il transpirait. J'ai déposé ma Bible. La transpiration a pris ma Bible. Ah! Et puis j'ai regardé ma Bible, elle était tout collée. Les feuilles étaient déchirées parce que la transpiration du frère a déchiré ma Bible. Je me disais, mais pourtant, il n'est pas délivré. Les démons s'énervaient même plus, si je peux dire. Parce que même les démons, ils voyaient que je manquais du respect. Je lui donnais des papiers. Vous voyez? Non. La parole de Dieu, c'est tout un homme. La parole de Dieu, c'est tout un homme. Et on va enseigner que les Écritures, ça, les feuilles, c'est ça la parole de Dieu. Non, frère. Recevez la parole de Dieu dans votre cœur. Vraiment, je prie que Dieu vous fasse du bien. Que la vérité puisse vous affranchir. C'était votre frère Edmond Kachama, de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Nous allons prier. Nous allons élever la voix. Rendre gloire à Dieu pour la grâce qui nous a permis de pouvoir écouter sa parole et de comprendre que le seul moyen pour que nos jours soient prolongés, c'est que nous puissions l'honorer. Nous puissions honorer le Père et que nous puissions honorer la Mère, respecter sa parole et chercher à recevoir l'enseignement de sa parole. C'est ainsi que nos jours seront prolongés sur la terre dont l'Éternel nous a promis et dans lequel l'Éternel nous donne. Et à travers ça, nous allons avoir la consolation de notre cœur, la consolation de l'âme. Et nous allons lutter, la Bible dit bien, lutter divinement. Nephtali est un homme combattant divinement. Nous ne combattons pas dans la chair, frère. N'allez pas combattre un sorcier physiquement. Nous combattons divinement. Par la prière, nous combattons. Et c'est ainsi alors que Nephtali pourra vaincre au-dedans de nous. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-nous voir. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu nous as donné.